Hello VOD, on est de retour au château d'Hurlevent, je sais plus son nom mais voilà, c'est pied. Et on j'ai envie de peut-être retenter Godric. Alors voilà, n'hésite pas à stocker une dorée dans ton coffre apparemment, tu y perds quand tu meurs. Non, tu perds pas quand tu meurs. Ça, sinon j'en aurais plus hein, depuis très longtemps. Non, justement, on m'a dit que c'était pas que qu'on perdait rien quand on mourait, sauf peut-être des runes. Sauf des runes, notamment. Mince, je suis pas prête. Attends, je suis pas prête. Notamment. Ici. C'est-à-dire que même en ramassant ces runes. Même en ramassant les runes ici, et ben j'en perds quand même. C'est pour ça que c'est mieux que les utiliser avant. Waouh! Il avait jamais fait ça, je crois. Je sais pas, Lix, si tu joues aussi au jeu, est-ce que tu as constaté que tu perdais des runes en mourant? Allez, ça a éclaté. En vrai, je fais mal, hein. Je pense que je peux y arriver aujourd'hui. Tu prends une pauvre. Pour l'info, ça me faisait stresser à chaque fois. Non, je faisais ça aussi au début, justement, on m'a dit en vrai tu perds rien, te prends pas la tête à stocker si t'as de la place. Du coup, bah, effectivement, j'ai jamais constaté que j'avais perdu des runes. Mince, je peux passer, on l'a déjà vu en vrai. Attaques en fonction des invoques, je crois. Bah, en tout cas, je pense des attaques qu'elle subit, ouais. Du coup, bah, si elle subit de multiples attaques à plusieurs endroits, bah. Bah... Oh non, c'était risqué. Non, non, non. La vache. Il faut tellement longtemps. Non, non, pas là. Putain. J'arrive pas à esquiver. Allez. Non, non. Mais non, faut que j'esquive. Ah, j'ai plus de magie. J'ai pas fait gaffe. Oui, c'est bien de montrer ton bâton à Godric, mais il ne t'aidera pas beaucoup. Ouais, voilà, de faire ça. Ah, j'esquive pourtant. Ça dure trop longtemps en fait. Ouais, ça dure beaucoup trop longtemps son putain de feu. Bon, je fasse un peu plus de dégâts entre ces coups aussi et que je me coince pas. On va pas récupérer 65, hein, je vous dis tout de suite, j'ai perdu 65 runes, pas grave. Bon, on va retenter. Au pire, dans sa phase 2, je chope dans la gueule de son dragon. Ah ouais? Mais je savais même pas qu'il... Il y a encore une phase après ça? Genre il se met dans... Transforme en dragon? Ça veut dire que après je devrais encore battre une autre phase de boss en gros. Je sais pas. Je la prends là. Ok. J'ai pris les loups, je vais pas prendre les loups.
Son bras de dragon. Bah ouais, mais bon. J'ai jamais vu faire. Ah oui, c'est une gueule de dragon son bras. Oui, j'ai. Enfin. Je savais hein, pourtant, mais. Je me suis pas rendu compte qu'il pouvait te choper en mode gueule de dragon. Non, oh, mince. Merde, merde, merde. Ah, je suis coincée. Mais. Lisse quoi. Mon feu est horrible à éviter. Vraiment que j'esquive mieux. Non. Et que je joue mieux en fait. Faut que j'attaque mieux et que j'esquive mieux et je joue mieux. Et ça ira mieux. Bon, je me suis trompée d'invoque, j'ai pris les loulous. Je vais pas prendre les loulous, je vais prendre les semi-machins. Ça me demande beaucoup plus de mana. Enfin, plus en tout cas. Mais. Putain de merde. Faites éclater les gars, je sais pas si vous avez remarqué. Dispersez-vous. Non. Et... Se roule tel un chien fou. Allez, non, oui, d'accord, je comprends. Allez, voilà. Merde, j'ai plus de mana. Terrible. Alors qu'il était à terre, je suis dégoûtée. Merde. Je ne sais pas encore ça. Dans un truc. Ça me dit rien qui. Ça me dit rien. Je peux avec la gueule du dragon, d'accord, mais oui. Mais ça, je savais pas, parce que je suis pas au cap. Merci. Ah, j'ai plutôt faible, vu que tu joues au gameplay à distance. Mais c'est ça, je l'avais jamais vu. Merci. L'officielle, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. On a battu Roderick. Godric, pas Roderick. Une majeure obtenue en éliminant les porteurs de fragments ont perdu leur pouvoir original. Toutefois, vous pouvez restaurer au sein des tours divines mises entre terres. La description de chaque rune majeure pour savoir où vous rendre. D'accord, j'ai trouvé une rune majeure de Godric. Effectivement. Souvenir du greffé. Ah mais des souvenirs, il y avait un délire avec les souvenirs, mais je sais plus ce que c'était. Oh là là. Oh t'as sur le live, what the fuck. Comment ça du retard. Ah toi t'as du retard.
Mais il y a peut-être du retard beaucoup, non? Je pense que j'essaierai de faire ça tant que toi. Mais c'est possible ça. De quoi il y a toujours un décalage entre le live et la réalité, petit Minj. Je comprends pas ta question. Ah oui, t'as vu dans le chat peut-être Grision dire félicitations et tout. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Je sais pas, faut refresh. Ça arrive. Même si je n'en connais pas la raison. T'en as réussi ! Ah non, je vais prendre ma monture, je veux pas. Du coup, il y avait un truc avec des souvenirs, donc maintenant je sais. Je sais que c'est les. Ouh ! C'est les. Non ? Les boss majeurs qui en donnent. Ok. Bon allez, on arrête de tergiverser, on va là-haut. Je vais me reposer. Je me suis rendu. Voilà, quand même. Il a vu nos GG avant que tu le bosses, oui, je pense que c'est ça. Romeo. Merci beaucoup! Oh. Comme seigneur, pourri jusqu'à la moelle. Craven to the bone. Push it all. Oh! Bonjour, cette fouine, Godry, m'a toujours pris de haut. Il a eu ce qu'il méritait grâce à vous. Croyez-moi, on ne récolte que ce que l'on sème. Une fin horrible pour une personne aussi horrible de cœur que d'apparence. Bien un cadeau pour vous remercier. Je suppose que je suis libre à présent. Je peux faire comme bon me semble, pas vrai? Oui. Oui. Vas-y. Alors, can I open the door? Yeah. Le trône. Oh, t'es beaucoup trop petit pour son cul, hein. Bon, ça gâche tout avec le truc qu'il y a là, mais bon, bien. C'est ça qui est chiant quand on joue au multijoueur, c'est qu'il y a des marques partout qui niquent tout. Allez, on va explorer un petit peu. Là. Ok, il y aura même pas un petit coffre quelque part? Ok, je mérite un coffre quand même. Et un coffre. Pour le moment, je suis très déçue hein, de ma récompense. Officiel. C'est de chèvre brûlée. Oh, ça on le savait. Merci! Salut Wolf, salut Romobus. Merci beaucoup! Lily. Père servant, père servante, où êtes-vous? Grâce, prenez mes fruits. Oula, c'est quand même une façon bizarre de proposer tes parties génitales, hein. La servante, du coup, quand on va se mettre à un feu de camp, et ben, elle va vouloir nous parler, on va pouvoir peut-être l'appeler. Ah, du coup, j'arrive là. Ok. Je viens d'avancer dans le jeu, ben, je viens de tuer Codric. Un ennemi majeur du début de l'histoire. Putain, comment c'est trop beau. Oh, je... C'est pas trop beau. Je vais profiter de cette vue.
J'essaie de tourner doucement. Ah, c'est trop beau. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. On était en train de kiffer. Merci beaucoup. Merci Jack Do. Merci. Très gentil, merci pour leur aide. Merci, merci. Bienvenue à vous. Bonsoir Jupay, bonsoir Biz. C'est pas un cheval cornu, c'est un chevache. Alors tout le monde, bonsoir, merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. C'était aussi sur Elden Ring. Attends, je vais évidemment follow. Pour te rendre l'appareil. Je pourrais, merci beaucoup. Voilà. Voilà qui est fait. Ah mince, par contre je vois plus mon chat. Une connerie. Salut Naruto Zumaki. J'ai pas dit Onizuka, t'as vu? Yo, boussole égarée. Boussole égarée. C'est pas lourd. Compris. Cartman a pas de tort pour le coup. Quand il dit je vous emmerde et je rentre à ma maison. J'avoue. Je viens sur les conseils de Naruto Uzumaki. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je viens juste de battre Godric. Voilà, j'étais en train juste de kiffer ce moment de paix et de douceur. Et de beauté. Pardon, elle a rien vu parce qu'elle a les yeux bandés. Du coup, t'es dégueu. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci, Jack Do, merci beaucoup. Merci pour le raid, merci pour le follow, c'est trop adorable. T'en es loin toi dans l'histoire? Avec les chevaches, ce sont des créatures ultra fidèles, tant qu'on est nourri convenablement. Effectivement. Et leur agilité n'a d'égal que leur faculté à percevoir la susceptibilité d'autrui. Voilà. C'est un masque de ta monture. Qu'est-ce que dit des œufs et des cornes? Merci Jupay! L'alerte me fera toujours marrer. Surprend surtout dans un moment où on est tout calme et tout. T'entends ça qui explose. C'est sûr fait qu'on est des connards. Mais ça bon... on avait déjà parlé en live en disant que basiquement... voilà, sachant la proportion de connards dans le monde. C'est balèze quoi. Dire sur un chat Twitch. Bon bah. Voilà, regardez le pseudo d'en haut, le pseudo d'en bas, il y a forcément un connard quoi. Donc, basiquement, je pense qu'il y a un tiers d'entre vous qui a des connards. Mais bon. Voilà, c'est. C'est juste la proportion. On est peut-être une majorité d'ailleurs sur Twitch à être des connards. Moi, je m'exclus pas. Hein. Sans spoil, on est sur le nord, zone neige. Ah ouais! Mais moi, j'ai commencé, je suis au début hein, quand même. J'ai commencé un petit peu à explorer cette zone-là, mais c'est pas simple, hein. T'es à quel niveau pour la zone nord? Enfin, toi qui explore actuellement. Dizek 2, Dizek Stream is cool et délire. Ouais, bah, je viens juste d'insulter ces viveurs de connards. C'est ma manière d'être gentil. Mon nom Yeta, je parcours le monde à la recherche de la lumière lointaine. Alors paraître imprudente, accepterez-vous de me faire un don de quelques fruits déchabillés en votre possession? Mais oui, pas de soucis. Je suis capable de vous dire la direction, je suis censée aller ensuite. Facile. Je mange ces fruits, je peux apercevoir une lumière fontaine. Une lumière fontaine. Je peux entendre les fruits. Oui, je te donne. Votre générosité est remarquable, c'est certain. c'est pas moi, je suis partie. Pardon. Les gentils connards, voilà. C'est ça qui est chouette ce jeu, mais tu tombes vraiment sur des spots qui sont faits pour les... pour... RDA, c'est pour du fond d'écran tout ça, quoi. Monter de niveau, je peux monter de niveau. Oui, j'ai 20 000. Waouh.
Je vais prendre. Ah oui, il faut savoir que moi je joue en mode facile, donc j'ai pris le. Pris le mage en fait. Voilà. Le connard, la preuve, tant que c'est. Surnom. La preuve étant que c'est le surnom que beaucoup de gens ont mes parents. Que donnent beaucoup de gens dont mes parents. Effectivement. Je crois que tu m'avais déjà dit ça. Zili, dans l'image, t'as mis un truc. Ok. Bah, de toute façon, j'ai un petit peu. J'ai une petite micro, enfin une sorte de petite notif quand vous mettez des trucs sur Discord. Donc je vais toujours voir. Ah mince, j'ai passé. Attendez, j'ai passé. Dans le jeu, tu peux buter les PNJ que tu croises. Ouais, tout à fait, ouais. Je l'ai pas encore fait, hein. Juste, je les maltraite. J'ai fait souffrir, mais je les tue pas. Ah, c'est pas si pire. Oh, level 109, je crois. Ah, ouais. Ouais. Ouah, tu m'apprendras. Non, mais non. Je vais faire une utilisation multiple. Arrête, ça m'énerve. Arrête, ça m'énerve. Je vais faire une utilisation multiple. J'en ai plus beaucoup. Non, mais il faut faire utilisation multiple. Arrête le jeu, arrête. Il m'en faut, je crois, jusqu'à. Attendez. Je vais trop vite. Maintenant, j'en ai plus que deux à avoir. Voilà, c'est bon. On a des bons connards. C'est presque mignon. Voilà, je monte de niveau et je voulais prendre de l'esprit. Ce qui d'ailleurs inonde ce live, l'esprit. J'ai fait que je pouvais manger des clémentines. Je garde la excuse pour avoir des fruits gratos. Mais complètement, j'ai bien vu qu'elle m'a arnaqué avec son bandeau. Hein. Et c'est pour ça, bon bah, voilà. Je lui ai donné son pruneau. Que j'ai volé à un fantôme. J'ai rien perdu. Cette bête découverte dans le stream, je vais aller me poser un peu. Oui, merci beaucoup. Nio, je repasserai. Bah, j'essaierai de passer aussi quand je pourrai, surtout de te remercier. Envoyez mes viewers si je peux un de ces quatre. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Des bisous. N'hésitez pas à passer voir. À passer voir sa chaîne à Jackdo. Je vois qu'elle fait pas mal de Elvring. Elle est bien plus avancée. Si elle, c'est bien. Oui. Je dis elle, ouais. Fille ou garçon? J'ai vu fille. Pas offensé. Attends ma loi. Quoi? Attends ma loi, mon renard et ma loubette. Et puis bonne nuit. Elle, oui voilà, je voulais dire. Dis mince, ça se trouve. Merci beaucoup, bonne nuit à toi. Oui, la loi, ça va. Hein. La loi, c'est pas toi, c'est moi. De toute façon, c'est pas toi qui décide. Que tu as eu un coup d'épée pour punir cette arnaqueuse. Mais voilà. Tu vois, c'était instinctif. Hop, petit coup dans la gueule. Attends le stream. Dans quel pays il est interdit de marcher sur une pièce de monnaie ou un billet national? Une effigie du souverain y figure. Donc il y a un pays où c'est interdit de marcher. Oh, il y a un type. Un type. À votre avis, où est-ce que c'est? C'est pas aux États-Unis. Merci beaucoup, en tout cas, Jackdo encore. Allez, non, mais j'étudie les sorcelleries. Ah ouais, les pierres d'Exat Academy. Je me laisse une donation, je partage volontiers mon savoir avec vous. Et j'ai 0 euros. Pardon de dire une. Franchement, je sais même pas si j'en ai 10. Il va sûrement me donner de plus en plus. Toi, tu m'arnaques, toi. Toi, je sais, toi. Belle Tops. Ouais, non, c'est pas de Tops. Premier, je peux vous enseigner des sorts si ça vous intéresse. Sauf que aucun d'entre eux n'est proprement impressionnant. Aussi, tu sais réduire le temps de dessalage des filets de morue. Lumière stellaire. Ok, une lumière pour une menace. Mais vous, c'est bidon parce que ça j'ai. Et puis ça, bah, c'est la lumière. C'est une lampe torche. Parler plutôt. Regrette, mon ami. Je crains que mes piètres sorcelleries ne soient pas à la hauteur de votre générosité.
Ah, j'ai une idée. Je vais vous raconter tout ce que je sais sur cet endroit, là, qui pourrait vous servir. Oui. Vous voyez ces bâtiments au nord, ils se dressent au-dessus de l'eau. Il s'agit de l'académie de Rael Ukaria. Oh, j'ai vu ça quelque part. Où qui est-ce que c'est des pierres d'éclat? Ça fait un bon moment que ces portes sont closes. Après avoir déclaré qu'elles n'interféreraient, voilà, c'était ça, mais je vais continuer. L'ennemi a placé un sceau de répulsion sur les portes. Ah, peut-être deviner, les sceaux sont toujours actifs, interdisant tout accès à l'académie qui ne dispose pas de... Mais... Attends, j'ai pas le temps. Ah si, me voilà coincé. En tant que sorcier néophyte, mes chances d'acquérir une clé sont bien maigres. Voilà. J'ai de l'air très vite. Ils ont placé les sceaux, je venais de sortir. Par conséquent, le lieu de mes études m'est inaccessible. Et la soluce ? On peut vous procurer une clé. Mais comment je fais ? Un autre don ? You've taken an apprentice. Well, that is something. Salen was well known. I followed her, but Salen accused of unfaithfulness. I still don't. The illustrious. Mais comment je fais pour avoir la clé? Tu mets pas, gars. La clé du pire d'éclat. Without one, and you'll never reach the Erdtree capital. Mais si tu m'arnaques. Les os, je t'y connais. C'est nul. Alors, ah oui, pardon. Du coup, c'était quoi la question? Ah oui, dans quel pays il est interdit de marcher sur une pièce de monnaie sur un billet national à l'effigie du souverain? Ah nanana, du coup c'est en Asie. Pas la Corée du Nord. Pas Singapour. Pas la Chine. Voilà. Mais c'est en Asie. Pièce de billet ou un billet par terre, tu peux même pas poser ton pied. On crée un problème, ça, c'est ça. Tu poses ton genou comme si tu te prosternais sur le billet ou la pièce, mais c'est une pièce, ça pique, tu vois. Tu tombes avec ton genou dessus, c'est un max. Bon, franchement, tu m'as déçu, mec. Je vais aller par là. Bon, machin, t'as regardé les dodos Japon. Non, c'est pas le Japon. Vive le Laos. Nope. Vietnam, non. Vous allez finir par tomber dessus. Inde, non plus. Ça va, mais pocave pas toi, j'essaie d'arriver discretos. Bonne nuit, Wolf, ouais, bonne nuit, des soupis. Paris, non plus. La Thaïlande, tout à fait. Bravo, Jupé. En Thaïlande, il est interdit de marcher sur une pièce de monnaie ou un billet national. Une effigie du souverain y figure. Singapour, non, ça avait déjà été dit. C'est pas Singapour, c'est bien la Thaïlande. Bravo. Et toi, je peux te tuer avec... Ah non, vous avez plus de vie que ce que je pensais. Je panique. La maîtrise de la fuite. Ah. Bien. Tu vas voir. Ok. Mince, je savais, mais bien sûr. Moi aussi, mais je l'avais lu, alors. Faut pas paniquer, faut niquer. Ça te dit pas que ton papa te dit toujours. Moi je dis je panique en un seul mot. Mais finalement actuellement, c'est aussi en deux mots, c'est quand même juste quoi.
actuellement. Je pense que vous êtes tous en train de paniquer aussi en deux mots. Ou alors vous êtes pas très concentré à la tâche pour être sur le chat en même temps, quoi. Bon, ça se fait pas. Vous avez des très jolies armures. Mes popos, ça c'est fantastique. Un peu une vandale, alors je pète tout. Ça m'a jamais servi à rien, mais je suis sûre qu'un jour je trouverai un truc caché dans les pots. Et je serai la seule à l'avoir trouvé au monde. Je serai la seule à continuer à tout péter. Malgré l'inutilité apparente. Je vais baisser un peu. Merci! Bonsoir! Merci beaucoup! Ma pierre! On peut toujours prendre au premier degré 2 secondes. Quoi, le fait de paniquer? Bah oui, enfin... T'as bien remarqué que j'avais pas l'air ultra sérieuse non plus, mec. C'est juste que j'imaginais... Ça me faisait rire d'imaginer des viewers en train de copuler tout en continuant à interagir avec le chat. Je trouvais l'image très drôle, personnellement. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas. Parlant de copulation, salut, Jay. Quelle poésie! Mon enfant, je te remercie. En tout cas, c'est le loot est important, tout à fait. Ça va, Sleep? Sleeplou, pas Sleepou. Je suis désolée. Je suis en train de paniquer depuis 12 jours. J'ai arrêté d'essayer de paniquer. Cette image, mon dieu, ben voilà, c'est pour ça que j'ai continué dans le délire. Je trouvais ça très drôle. Ça va, petit Jay, tu faisais quoi? On s'en parle de copulation, je peux être non coupable. Ben voilà, toi aussi, tu paniques. Salut, mec. Et tu l'as toujours pas nourri, ton âne, je te promets, je vais péter un câble. Vas-y, vends-moi des trucs maintenant. Nouvelle dans le coin. J'ai envie de vous voir, bah j'imagine. N'importe, la chambre n'a pas d'odeur. Et ma marchandise. Ah mais... Attendez pas comment je vais te procurer un. Ouais. On demande pas un pute comment je vais te péter à gueule. Pardon, pardon. Mais ça m'énerve, il fait mal à son arme. C'est ça, mais c'est un truc qui va jamais me servir, je reconnais ça. C'est trop beau, je veux le mettre, mais c'est trop lourd. 10 kilos le masque. Ça commence à être beaucoup. Déniable. Alors, ça va ici? Bah oui, j'ai tué Godric. On a bien ragé sur les bottes de FIFA. Quel plaisir. J'entraîne pour Mario Striker. Moi, je l'heure quand je panique. Et je file bonne soirée, merci beaucoup, j'ai des zoubis. Bonne soirée à toi. Et puis à mercredi. Y'a un qui me dit. Je m'en vais. Mais... Sois gentil avec ton âne. Arrêtez ça, j'aurais fait. Tout de suite, sous prétexte que je le frappe, c'est moi qui lui fais mal. Rapprochement un petit peu douteux. Alors, j'ai dû faire genre, je sais ce que je fais, mais je sais pas ce que je fais, j'ai juste exploré. Trop contente, Nathalie Godric, trop contente. J'ai trop l'impression d'avoir presque fini le jeu, quoi.
J'ai fait peut-être 7% du jeu. Et encore. Oh, qui c'est ce truc? Qu'est-ce que tu es, truc? T'es dead. Oh, je pète des cristaux, je peux pas les ramasser. Ce serait chiant à transporter des gros cristaux. Je vais me promener. Il y a un truc qui va sortir de l'eau. Il y a des matériaux. La discrétion. Oh, matin, j'aurais bien envoyé ce message, mais je suis occupée, je peux pas. Rends-moi ma main, chérie, s'il te plaît, j'ai besoin. J'ai besoin de filer sur entrée. Ça va, un peu de maturité là. Mais. Vous êtes vraiment des gamins. On est où là? Ok. Ouais, avant. Ah non, il y a les grosses puces. Là. Juste faire un petit tour pour voir s'il y a des choses cachées, des loot, des mobs intéressants. Nanani, nanana. Oh, un bourgeon cristallin. Ah, une méduse. Ça va m'attaquer? Oh, je pense pas. Ah, oh, elle attaque pas. Ah ouais, elle attaque pas. Ouais, vous avez rien vu. Une de gros. Bon, d'accord, ça servait à rien. Je vais. Non, non, mais non, dégage, laisse-moi tranquille. On m'a dit de mettre à fond les graphismes pour plus avoir de soucis de freeze. Et ben, clairement, vos potes étaient très utiles. Mais j'avais une. J'avais une truc. En fait, c'était inconsommable cette merde. J'avais une lanterne. Oui, j'ai une épée. Je peux pas utiliser. Elle était où ma lanterne? Elle était dans ce coin-là, je crois. Attendez là, j'ai rien dit. J'ai dit j'allais couiner, mais en fait, ça va. Ah. J'ai juste envoyé un sound pour ça prend deux secondes. Oh non! Oh non, c'est des pétasses ces fleurs-là, c'est trop des pétasses! À m'envoyer du pollen, tu vois pas qu'il y en a une qui s'en charge déjà? Arrête! Attends! Empoisonnement! Arrête! Voilà, je prends galère! Voilà, j'avais besoin d'attaquer un peu plus vite. Oh non, je crois que j'ai rien contre ça! Oh non! On s'éloigne un peu, on va voir si on trouve un autre feu de camp. Un autre campement. Des trucs de sage. Attends, mais j'ai des problèmes, je suis empoisonnée déjà là. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ah, c'est dégueulasse, c'est moche. Ah, j'aime pas. Ah là là, j'ai une grosse tête d'humain sur un corps d'oiseau. C'était très bien. Des bisous, Mokloping Dark. C'était très très bien. Très bien lancé. Merci.
Bravo. Un peu tous des gamins, hein, quand on entend. Quand t'as un peu, on rigole. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout vous, hein. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Vous avez pu constater. Bonne nuit, petit Mogumin Dark 18. Je sais que je me suis égale d'abord. Ça va prendre 48 minutes. Elle est pas mal celui-là. J'ai rajouté il y a pas longtemps. Pas la porter, loser. Arrête. Arrête. C'est si long. J'avais des runes, je crois pas. Hein. Mais on s'en fout. Ouais. Par contre, lui, on s'en fout pas. Mais je peux pas. C'est nulle part. Mais je vais pas remonter en fait. Je tombe dans la fosse aux fleurs, c'est foutu quoi. Vas-y, je m'en fous, je loot. Mais il reste toujours très efficace. Je visite, hein, vu que je suis en train de crever, autant savoir jusqu'où ça va. Et imaginons, je tombe sur un truc, un campement. Ah, bah y'a le boss. Ah, bah, il est chaud d'arriver jusque-là, hein. Surtout si. Faut... Ouais. Peut-être que je trouve quelque chose. Bijou ou ternis de grâce. Figé, on va voir. Surtout si j'ai rien pour guérir mon empoisonnement, faut que je regarde si je peux faire quelque chose. Et après ils ont pas beaucoup de thunes en fait. Je peux m'en occuper en fait. Attendre. Oh putain, ça va tuer en chaque fois. Mais please, quoi. T'as vu le nouveau jeu Harry Potter? Ouais, j'ai vu le truc de Sony, là. La conférence, je sais plus comment ça s'appelle. Et ouais, bah, c'est ouf tout ce qu'il est censé contenir, ce jeu. Un peu déçu que ce soit pas un jeu multi. Quand même. Parce qu'on l'avait un petit peu plus ou moins compris ça avec les premières images du jeu. Mais sinon, sinon je pense qu'il peut être assez cool, ouais. Il a l'air ultra riche si les promesses sont tenues. Vraiment un sacré RPG, je pense. Mais voilà, si les promesses sont tenues. Ça va, si je suis là, ça va.
merde, j'ai plus de... Non, non, pas ça. Non, pas ça, mais... Elle décède en fait. Ah, faut surtout pas qu'il commence à me lancer des trucs, je suis trop proche. Oh non, je suis empoisonnée. Tu en... Je passe. J'ai marre du poison. Mais j'en ai encore ici. Je suis assez rapide. Faut l'admettre, je suis plutôt rapide. T'as fait toujours réagir, celle-là, c'est une valeur sûre. Mais oui, je l'ai prise pour ça. Je la trouve tellement what the fuck, cette émote. Non mais t'es, vise pas. Oh, me taper quoi. Non, déjà. Mais... Non, pas les lacs. Non, pas les lacs. Trop violent encore, toujours. Restez ici, on se tire, du moins. Il est où le loup, il est où? Pas les messages des gens, je comprends pas. Ça m'énerve un peu. Ok, bah je me tire. Level complete. Bon, j'avoue, pas tout ultra exploré. Mais si tu es le boss, ça va. Ça me suffit. Oh là là. Oh, mais l'empoisonnement, insupportable plus. Laissez-moi tranquille. Oh, les méduses, j'aime bien ça. S'il me met dans l'eau, ça me lave pas un petit peu. Ça pourrait, hein. On va explorer pour voir si on trouve un feu quelque part. Sinon, on se téléportera au plus. Pas loin, limite, je vais y aller. Hein. Puis on y va, ça me saoule. Je sais que je vais crever comme un caca à cause de ça. Autant calmer le jeu. Oh, mais c'est trop beau, regarde ça! C'est putain de beau en fait. Mais là où il y a quelque chose. Attendez, à monter. Comment qu'on monte? Qui est chiant aussi avec les marques du multijoueur. J'ai pourtant désactivé, mais bon, voilà. C'est qu'aussi, bah, quand je vois un truc briller, du coup, je confonds. Et je pense que c'est un loot. C'est un loot. Un connard qui dit hey, t'inquiète, ici, tu peux sauter, y a pas de délire. Y a pas de lézard. En fait, bah, tu meurs. Voilà.
C'est juste une rune. Enfin, des runes, quoi. Oui, voilà. Hop, hop, descends. Voilà. Ah, branche sacrificielle, voilà, c'est ça que j'ai. J'en ai quelques-unes, j'en ai jamais utilisé encore. J'ai trop de temps à bouger. Bon, je continue l'exploration. Hein. Il y a vraiment de quoi faire ici. Je n'ai pas du tout. Une rune dorée. Voilà, des runes dorées. C'est ça. Regarde, tout va bien le chien. Ah, je vais direct moi. Alors. Je suis déjà venu là. Non, je crois pas. Donc je trouve aussi la pierre qui me permet de... Enfin, le parchemin, en fait. Bon, au niveau d'une pierre. Ah non! 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 Terre seigneuriale. Bon, ça se la pète, ça, c'est des flèches, hein. Salut Rio! Non, restez un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Je suis en train de tout péter alors que les autres dorment à côté. Je pense bien que je les tue d'abord en fait. Voilà! Ah, mana moi. Je tape trop tôt quoi. Si tu es Godric Rio. Il y avait un loot. Ouais. J'ai tout pété. Papillon. En plus, je peux tout. Mon territoire maintenant. Meilleur. D'accord. Non, alors. Vite, je t'en supplie. Ouais, j'ai récupéré le truc. J'ai dû prendre une popo juste avant. Ah GG, ouais, je suis content. On entend des petits bassins, des comme des chiots qui vont.
Même ça, je peux pas. Très agréable de tout péter. Ça me fait perdre un temps de fou. Mais je kiffe, alors ça va. Ok. J'entendais des gloussements, genre ici. C'est bon. Question de la colère peut-être. Pas de problème avec ta colère, bordel. Je veux pas ce qui te fait dire ça. Oh, les deux gars, ils ont l'air trop mal. Je vais esquiver, j'esquive après. Et un petit souci de décalage aussi, de temps de réaction un petit peu. Champignon, trop bien. Je déteste les champignons. Voilà. Là, j'ai pas peur de prendre position et de dire les mots. Parfois, ça va un peu loin. Oui, ça choque peut-être. Mais c'est ainsi que je suis. Oh ! Un gros mort ! Là, toi, t'as perdu ta lumière. Tu veux une prune? Un petit prunon? Descends du cheval. J'essaie de faire. Voilà. Hello? Quelqu'un? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? Je vais faire un don à quelques fruits. J'en ai pas en fait. Hello? Would you donate them on a pilgrim when I eat one of those? Mais en plus, je t'en ai donné il y a vraiment pas longtemps, au bout d'un moment. Hein. Tu vas avoir une de ces coulantes si tu bouffes autant de fruits, toi? Un peu de solide. Un peu des pâtes, quoi. Gris. Ouais, le homard, je le sens pas là tout de suite. Ah, oh, il y a un portail. Wow. Je vais mettre un point ici. Repère. Et ça, tiens. Ah, je vais pas aller tout de suite, je veux trouver un endroit où je peux respawn dans le coin. Y'a rien là. J'ai raté, je vais juste mettre une petite tarte et partir en courant. J'ai même pas réussi à donner la tarte. Oh, voilà, je veux. Un petit peu. Montée niveau l'en suis où? Oh, je suis 4700, je suis loin. On est dans l'équipement, du coup, j'ai des nouveaux trucs, hein. Non, je peux pas. Mais en plus, ça, j'allais vachement moins bien en fait. On sait qu'elle serait mieux. Je suis déçue. Elle est moins bien partout. Elle est vraiment naze. Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est pas dégueu ça en vrai. Oh, ma truc, un truc comme ça. Vu que c'est léger, je pourrais peut-être mettre un gros casque. Genre celui-là parce qu'il est trop classe. Oh, ouais. Ah ouais, j'ai un gros casque. Ah, c'est trop bien. Maintenant, je vais regarder pour les mains.
font les bottines, hein. Ridicule. J'ai juste un caille, en fait un truc en pierre sur la gueule. Attendez là, ça fait tout 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 tout. Ah mais c'est cette pierre là. Eh oui. Présentation de l'exode de Malenia vers le sud, l'épée de Mikela, les chevaliers de la noble putréfaction. Ses ailes n'être jamais coupées. La noble putréfaction. Genre. Il y a des oxymores les plus chelous que j'ai jamais vus. Attendez. J'avais vu au loin, quand on était au camp, un fantôme. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour le lore, hein, que jamais ils donnent des trucs intéressants et tout. Mais, en bien mal. Je vais aller voir. Salut mec. Je vois même pas ce que c'est ici. Une grosse main? Je suis une grosse main. Ouais, c'est juste ça, d'accord. Ah non, c'est pas une main, c'est en fait... Ah ouais, je comprenais pas la position. N'importe quoi. Ok, je retourne là-bas. C'était juste pour ça, l'aller-retour. Au moins je sais que vraiment les fantômes servent à R. Now I'm not. J'ai une dégaine affreuse. Oh non, j'ai raté. Mais regarde, moi aussi j'ai une tête de fiole. On devrait s'entendre. On devrait s'entendre jusqu'à ce que je te tue. Ah, il est pas mort, ça m'énerve. La barre de vie est vide. La mienne est déjà moitié vide. C'est vraiment zéro vie. Moi, sur ma monture, je m'y sens bien. Une de flocons des tempêtes. Ça va être joli, hein. Enfin, une jolie déco. C'est moi qui étais un peu bête. Moi en fait je voulais juste viser le ballon au-dessus. C'est impossible. Enfin, une fois qu'il y avait des mobs en dessous, ils voulaient pas. Même si je montais. Mais pour... J'en avais 5000, hein. On va quand même y aller. J'ai pas vu qu'il y en avait 3 tout à l'heure. Oh
enfin avoir leur casque. Il y a presque autant de charisme que le mien. Vraiment une tête de caillou. Je perds trop de mana pour ça, quoi. Ça rend dingue. Ça rend dingue. Bon, je peux viser ça. Ça m'a donné des runes niveau 6. C'est trop bien. De l'autre côté, on a de l'autre côté. Taille, tout est ici. Ils tirent tout partout là. Comment vous fous? Ils sont foufous. Oh, ils sont tous foufous. Allez, foufous. Mais j'avais pas besoin de reprendre, suis-je pareil. Oh, un peu le dogo, il est pas foufou, il est chiant. Mais bordel! J'ai des frises tout le temps ici en fait. Je me suis dit, une fois que la map est chargée pour moi la zone quoi, c'est bon. Sinon. Allez tout vous. La vache, ils sont chiants hein. Elle est pas assez difficile. Ça s'étouffe ? Oui, non, on ne sait pas. Non. Non. Mais comme je dis, hein. C'est... Je sais c'est quoi, mais la souffrance sur Elden Ring jusqu'à présent n'a jamais été pire que la souffrance sur un tournoi de Mario Kart. Hein. Jamais, hein. Jamais, jamais. Hein. Si vous avez joué à Mario Kart, vous sachez. Ok. Attendez, je suis où? Je suis un peu le chemin de manière chelou. Pousse. Ah voilà, je l'avais jamais vue encore celle-là. Tout comme ici. Mais, allez. J'appuie plein de fois sur le même bouton parfois. C'est pas chiant. Descendre déjà pas. J'ai trop niqué. Oh le foutu fou. Ils sont trop lents. Voilà. Du coup par là. Pas du tout. Elle est gros balèze, ok. De voir si il y a des trucs qui me permettent de découvrir la carte. Mais pas que je sache. Alors j'en vois pas en tout cas. J'ai un peu mal à la tête. La caméra bouge trop vite. Et en même temps, bah, c'est super pratique, elle bouge vite la plupart du temps. C'est juste que quand on se promène, ça fait un peu drôle quoi. Trop stylé. J'essaie d'aller plus lentement sur la cam.
tire les machins. Ah oui, on a une grosse tabasse, j'avais pas vu. Une grosse carriole. Les yeux qui tirent les carrioles, ils ont un gros clou là, un gros crochet dans leur torse. Ah, dans la gueule. Ouais, ça me donne plus que ceux de base, ça donne que 1000. Bon, 320 en plus, c'est pas énorme, mais toujours pas de prix, hein. Alors, on va fouiller la porte de carriole. Normalement, il y a un coffre dedans. Arborescente. Alors, est-ce que c'est un équipement? Oui, mais je veux pas la prendre. Comme toutes les armes que je croise en fait. Ah, tu m'as compris. Encore un peu cette haine des intellos, quoi. Hein? C'est ça les astrologues en fait, les mages et tout, bon bah c'est les intellos, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est les gros balèzes avec les grosses épées, et les autres, et ben on les enferme dans le casier. C'est bien, vraiment. Ah, je trouve jamais de bâton par contre, c'est vrai que je commence à en avoir giga marre de jamais trouver, même d'épée que je puisse trouver. Je trouve même plus ça. La merde. Bah je visite hein. Ah j'ai connu, je m'en vais. Ah j'ai une blague. Oh. Alors j'ai un livre de psycho ce week-end. J'ai envie de vomir des mots. C'est bien au moins. Vas-y, dis les mots. Je vais faire un tweet. Ah, attention, là j'ai pas envie d'avoir un vieux lac pourri au moment où je serai à deux doigts de tomber. Alors je crois que normalement, hein, quand il y a ça, je peux descendre sans problème. Ah, je me suis trompée alors. Nul à chier, NULACHIER. J'ai mal compris alors. Mais attends, c'était pas ça le truc. Normalement, la tornade elle me permet pas d'atterrir sans dommage. J'ai pas compris. Et ils sont mes trucs. Voilà. Elle aime le joueur. Mais non, mais. C'est une maudite énorme. Ouais, je sais plus dans quel JDG c'était, mais j'ai tellement kiffé. Mais non, mais j'avais cru comprendre ça. Parce que quand il y a le démon à l'intérieur de toi. Mais non, je parle doucement parce que mon copain est parti se couper. En vrai. Ouais, j'avais bien envie de gueuler, ouais. Non, si c'est parce que tu as touché la paroi. Ah, d'accord. Voilà, au moins j'ai pas rien compris. Ok, je vais essayer de pas toucher la paroi. Voilà. Attends, ça abuse hein, quand même. En plus, j'avais vraiment la tornade sous les yep là. Ça m'a saoulé. C'est très humiliant. Mais normalement, ça passe sans problème. Ah, pas non. Bon.
Ouais, toutes les pustules dégueu et sacs à PV insupportables. Et Avga, ok. Bon bah je vais regarder ma map, je vais juste regarder la map. Avec quoi ? Vu que je vais bientôt pouvoir level up, je pense que je vais aller peut-être... Mais ce coin là c'est celui que j'avais déjà nettoyé. Ouais. Va-t'en, espèce de nul. Non, mais c'est... J'en ai là. J'en ai bien perdu, quoi. Bon, bah, je me tire. Mais j'aimerais bien découvrir la map, mais je trouve pas le truc qui est censé m'aider à découvrir la map. J'ai suivi le chemin, parce que c'est souvent sur le chemin. Vous voyez, by the way, quoi. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup. Pas scrimp. Non mais ce clip, si tu refais tout de suite après, et eh ben oui, j'avais raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue à toi, t'es viewer. Très sympa. Qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là? Je sais pas pourquoi je rajoute à cette heure-là, comme s'il y avait des trucs qu'on fait. Il y avait des jeux de journée, des jeux de soirée. Remarque que j'avais ça à une époque. Et j'en ai marre! J'avais ça à une époque quand j'ai eu ma Wii. J'ai eu. Et quoi avec? Voilà, j'ai eu. Zelda Dragon Prince. Twilight Princess. Prince. Et. Bon, je vais arrêter de les avoir comme ça. Et j'ai eu Resident Evil 4. Resident Evil. Pardon. Evil. Et. Et bah, c'est vrai que Resident Evil. Bulle. Je vais garder pour le soir et la journée je joue à Zelda. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, je peux le faire. Bonsoir. 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 Tu veux bien? Deux doigts coupe fin. Des doigts. Death Stranding, Director's Cut. Ah mais oui, je crois que j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu. Et ça change quoi la Director's Cut? Qu'est-ce que ça fait? Ça change un petit peu le scénario, ça rajoute des trucs. J'ai vu un peu en let's play, mais je sais pas ce qui m'a passionné de plus. Mais je suis quand même intéressée à un moment. Quand même. Enfin, même. Mais c'est pas ici que. Je suis où là? Je fais où là moi? D'accord. Ok, d'accord, je vais. Et on va voir, hein. On va voir. J'explore un petit peu, moi, pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce que je suis en pleine exploration. Et ah oui, il y avait le gros homard. Oh, je pute le homard. Oh, je pute. J'ai dans sa petite gueule, je pense que ça fera plus mal. Ça a rien changé. C'est comme la crevette pistolet. C'est pas une crevette, puisque la crevette, ça a des petites pinces toutes petites. Ça a pas des gros trucs comme ça. Et quelqu'un en plus, du lore en plus. Quelque chose qui était en plus, du classique. Ouais, mais ça va. Tu le découvres le jeu ou tu le connaissais déjà en faisant la Director's Cut? Je sais pas si c'est un jeu qui a vraiment une rejouabilité. Arrête! Non! Oh ma vie! Ma vie! Voilà. Tranche de viande blanche. Bah ça vaut le coup hein, de se farcir un monstre de 38 tonnes qui a failli me buter pour un... En morceau de bidoche quoi. Ça c'est... Ça vaut le risque hein. Je me fais pas trop arnaquer, ça va. Bon, en vrai il est pas très dur hein, c'est juste que... Il couvrait le mop. J'avais fait le jeu donc c'était l'occasion. Ah oui voilà.
J'avais très envie de le faire. J'avais vu mon frère pas mal y jouer, du coup j'avais regardé, mais il avait fini le jeu sans moi. Ce qui fait que malgré on va dire le fait que je me sois spoilé pas mal de trucs du jeu, j'ai pas. Voilà, je sais pas comment ça se termine. Du coup, faudrait que je me fasse un let's play complet, un de ces quatre. Je pense pas y jouer. Hello. Hein? Hello. Oh putain, tu Please. Fais peur! Over here. Tu m'as fait peur! Please stop, brave tarnished. Tu peux pas te taper, toi. Only tire by striking this barrier. Besides, I am no foe of yours. Je ne suis pas votre ennemi. Demandez-vous si cela en vaut la peine. Ah, j'aime bien. Bonjour. Hein. Des fois par ici, n'est-ce pas? Ma maîtresse m'a confié une mission. Elle m'a aidé. Pardon, mais j'ai été accostée par une fripouille. Oh, me voilà dans le pétrin. Pensez-vous pouvoir m'apporter votre aide? Ce malfrat s'en est allé avec un pendentif très précieux. J'aurais besoin qu'on le retrouve. En revanche, lui aussi est un sans éclat. Cela vous gêne d'affronter un de vos semblables, je trouverai quelqu'un d'autre. Toi, tu me tends un piège, toi. Toi, tu me tends un jeu-pied, toi. Quelle chance de vous avoir rencontré ainsi. Le vaurien doit se reposer dans une maison abandonnée, plus loin sur le chemin. En prie, portez-moi ce pendentif. Tu m'arnaques, toi. Non, énerve. M'arnaque, je vais tout péter, tiens. Petit cristaux, tu... Oh, c'est classe. Waouh. Je peux répéter. Je me tire. Où? Voilà. Et un peu loin. Utilisez le télescope Aquilin de chaque zone pour avoir une vue à vol d'oiseau du paysage face au télescope. Putain! C'est le mode fond d'écran, quoi, ça. En tout cas, c'est stylé. Voilà. Et c'est trop cool. Il faudrait juste que je puisse enlever tout l'HUD. Parfait. Et mais ça n'empêche. Fais juste, voilà, tu les fais juste bien lentement. Ça te fait un écran. Le stream super bien. Non, j'ai pas du tout fini Elden Ring. Genre ta première partie. Oh bah je pense pas, de toute façon moi je veux pas... pas du genre à refaire 15 fois le même jeu. Donc moi une partie m'ira très bien. Mais déjà si je la termine, ce sera même très très bien. J'ai fait un fond d'écran déjà. Toi c'est dans l'image, tu m'as mis des bêtises toi. Mais en vrai ça, voilà... En écran d'attente de stream ou en fond quand tu rentres just chatting ou quand je dessine des trucs comme ça, mais ce serait trop bien. Ah bah je suis pareil. Faire à manger, me poser l'heure pour manger, ça marche bon après. Merci beaucoup, c'est très gentil pour le reste. Vraiment merci. Je vais parler dans une seule respiration, c'était trop. Pour l'écran d'attente très classe, mais ouais hein, ça se réfléchit, mais faut pouvoir enlever de la chute, je sais pas si on veut, pas l'impression, avec un mode sûrement au pire. Bon, je découvre en tout cas des feutrements et tout ça, des points de TP, ça va, mais j'ai toujours pas la carte en fait. Oh non, il y a le gros tas de merde là-bas. Ouais, le gros tas de morphes quoi. Le Pokémon. Hein. Mais c'est trop chiant, ça je mets vraiment trop de temps à les tuer juste parce que c'est résistant. Tout bidon et c'est résistant. Comme attaquer un tronc d'arbre en fait. Alors, il va pas te faire très mal sauf si tu fais ça à main nue. Par contre il résistera très bien, mais ça c'est pareil. En même temps, qu'est-ce que tu viendrais foutre? Pourquoi tu viendrais chercher un tronc d'arbre? C'est ça aussi le... ce qu'on peut se demander.
venu juste là pour foncer dans les cristaux. Donc on a découvert ça là-bas, ça là-bas. Je vais... Étais la chercheuse de lumière. Et elle, c'est la meuf qui m'a dit... La recruteuse, c'est elle qui m'a demandé d'aller chercher... Attendez, je vais aller voir. Peur. Vu par quoi, moi? Ah ouais, c'est vrai, c'est les humains, ils font des guet-apens de fou. En plus, ils les font. Bon, je suis pas là. Sinon, j'en avais, ça... Elle ferait pas les malins. Les autres, je m'en fous. Faut tous les faire quand même, là c'est trop long. Bah dis, ils ont pas beaucoup de vie, eux. Mais je vais essayer un petit peu à l'épée. Ah, bonne idée, là. Bien pour un mage. Mais si, ça t'est qu'un petit peu à l'épée, hein. Ah, bah dis, en fait, c'est facile. Les petits cailloux. Passe une très bonne nuit. J'espère que ton week-end s'est bien passé. Le doko. On va se faire le doko. Ouais. Un truc quand même, non? Une corde. Je me tire. Pas si vous voulez. Non, non, mais c'est bon, vise plus. On s'en va. Je sais pas si les embuscades sont aléatoires ou si à chaque fois que je vais passer là, il y en aura une. Ah, je voulais voir la map. Que l'eau n'y font qu'il l'eau. On peut étendre des trucs. Les gens en rouge là-bas. C'est quoi les gens en rouge? Oh, ils ont l'air puissants. Oh, ça c'est un genre dur. Ah, moi je cherche un peu la merde là. À la base c'était pas mon objectif, mais j'ai besoin de jouer. Je savais, hein. Surprise en fait. Oh, il m'a cramé. Ah cool, j'espérais ça. J'espérais que j'aurais le bonus. Je me rends pas toujours compte quand ça fera une horde suffisante pour me donner un petit bonus. Quoi ça? C'était un petit truc mignon. Pourquoi j'ai tué ça? Oh, pour la peine, je peux te tuer. C'est mignon ces machins. Il me trouve moins mignonne par contre. Ou alors c'est façon de
de me faire comprendre quoi, crachant à la gueule. Oh. Allez, on va suivre le gars. Oh, il y a un gros truc au loin. Oh, mais c'est des gros tas de machins. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Venez leur projet en même temps. Oui, c'est vrai, mais franchement, c'est le passé. Au bout d'un moment, faut savoir tourner la page. Sous prétexte que 25 secondes avant, j'avais tué leur pote en m'attaque. Moi, ouais, je trouve que... Voilà. Que le fait d'être un peu trop rancunier comme ça, ça ne mène pas à des bonnes choses. Oh non, mais voilà, ils m'empêtent dans le tas de tumeurs et de morves. Oh, je veux pas gaspiller ma mana pour ça. Non. Non, je vais pas. M'en fous, je vais pas. D'accord. Là, parce qu'il est en face et que je sais que ça lui fera double dégâts. Double. Ça fera des dégâts. À quel point. Ça passe à travers, pourquoi? Je suis en train de suivre un fantôme, il est où mon fantôme? Mais merde, j'ai perdu mon fantôme. I use my phantom. C'était tellement lent, je me suis dit ça va le faire. J'ai perdu mon fantôme. C'est ton fantôme. Non, c'est vrai qu'il se régène. Tellement relou. Bon, bah, je suis obligée de recommencer, du coup, il n'y a pas moins que je le retrouve. Hein. Oh non, non, ils vont me taper. Pas rien. Vous êtes lourd vous aussi. Je bute tout avant pour aller le suivre tranquillou. De mana, du coup j'ai pas envie de faire ça. Non, mais non, mais non, je me suis trompée, c'est changé d'arme, j'ai pas fait exprès. Il était où le truc? Soul. C'est par là, je crois. Oui, j'ai suivi par là. On va rechercher le chandelier. Ah, il est là. Fais-le s'il te plaît, refais-le s'il te plaît.
Elle veut pas. Il veut pas le refaire. Vous croyez que c'est parce qu'il a pas terminé? Non, bah je suis un peu en galère moi. Je vais mettre un point sur la carte pour retenter d'y aller je sais pas quand. Agréable ça. Non pas ça, je vais mettre un petit repère genre un diamant. J'espère que je pourrai le refaire. Alors faut peut-être que je dorme à un feu de camp. Il y a encore peut-être un chemin aussi, je me dis. Donc faut que je dorme. Comme ça me saoulera parce que j'aime tout nettoyer. Je sais, mais il y a trop de mobs. J'arrive pas à éviter parce que c'est comme si ça m'accrochait. Mais waouh! J'ai envie de viser le mob en fait. Voilà. Change d'épée, change d'épée. Allez, change d'arme. Putain. 3 jours quoi. Attendez ça. Ça respawn ? J'ai l'impression qu'il y en a toujours d'autres qui apparaissent. Voilà, tu fais des trucs. Qu'est-ce que tu fous ? J'essaie d'éloigner mais j'avais pas fini. Oh, ça tue ma monture. Allez, relève-toi, 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 relève-toi. D'accord. Cool. Ah, oh, j'ai 12 000. Faut pas que je déconne. Hein. Toi aussi, merci pour le live, bon courage. Montrer marécageuse. Ah, mais qu'est-ce que j'ai chante? Et bonne nuit. Ah, mercredi, ça marche, dit Mindieu. Oui, mercredi, on va faire du Worms. Avec Mindieu, Jay, Antimonia. Je sais pas combien on sera, mais en tout cas, si on a de la place à faire Nalu, tu es évidemment le bienvenu. Trapide aussi. Voilà. Et si on a de la place, j'espère qu'on en aura. Un violon. Trop violent pour Wham. Je pense que c'est des mobs de nuit, que là ils vont pas être là. Oh non, on va faire ça. Et trois là c'est fait. Putain, ça poursuit encore. Allez vite. Voilà. Maintenant faut que je vise lui. Tu te la pètes moi hein, fils du nul. En fait c'est facile.
oui, voilà. C'est cette nana-là, la recruteuse. Ouais, c'est bien ça. Mathieu. J'aime bien le bruit. Vas-y. Ah, je reviens par ici. Je vais quand même essayer de revenir sur le chemin. Oh non! Je suis trompée, j'ai foncé sur lui, je sais pas pourquoi. Allez, change. Voilà. Maintenant, je m'en vais. Je m'en vais. Ok, retour un petit peu sur le chemin. Il y a un feu. Pas du tout sûr d'y arriver. En vrai, ça va, ça semblait pas trop haut. Bonjour Max, et eh ben je sais plus. Est-ce que c'est 8? C'est 8, je pense que c'est bon. Ou 6. Mais là, si c'est 6, on sera déjà full. Voilà, je sais pas. Mais je crois qu'il y a moyen, non? Non, ça doit être 8 en vrai. Bon, on verra ça. Je veux juste... Bon voilà, j'ai trouvé ça. Je vais peut-être juste quand même me reposer dessus. Un petit truc. Et puis... Oh, vu quoi, c'est tout. Et puis essayer quand même de trouver un truc qui révèle la map, ce serait bien. Surtout pour me rendre compte de la grandeur de la zone et tout ça. Ça y est quoi. Comprenez en fait, je suis sûre que vous comprenez. Donc je vais faire un petit tour. Sur ce chemin là. Je vais parler à ce machin. Aïe, impérial, dédié à l'étude de la magie. Pourquoi tes portes restent-elles closes? Arborer le masque de pierre me serait interdit. Hé, hey, j'ai le masque de pierre. Ah, c'est ça, alors c'est la cité, c'est cette cité là. Trop stylé. C'est là où il y a la... Il y a du coup le masque qui m'intéresse. Le masque, excusez-moi, la magie qui m'intéresse. Bon. J'ai trop hâte pour le bougier. Rouler une bombe. Oh punaise, je suis pas prête de le faire, tu vois. Mange pas la mange vache, ça a pris trop cher. Des fantômes qui se font la guerre. Petit cucu.
On va s'affronter jusqu'à 5 adversaires et un 8 vers chacun. C'est 6. Ah d'accord. Ah mais si tu mets moins de verre, on va être plus de joueurs. Oh elle m'a... Ah, j'ai 13 300, je vais vite aller récupérer, puis je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Hein. Ah, il va être une heure. Ah, par contre les freezes, ça me fatigue. Hein. C'est des périodes où j'en ai pas du tout. Bah là je crois que pendant mes deux premières sortes de live, rien eu du tout. Il me semble, hein, ou très peu. Ouais, je dirais même pas. Et depuis qu'on est dans cette zone, c'est assez fréquent, hein. Je fais un coucou en passant. Alors c'est bon quoi ce soir? Eh ben c'est Jake et Drake. Ça s'est passé plutôt bien, je vais pas recommencer tant de fois. Du coup là j'explore la sorte de zone marécageuse. Mais on a 13 000, donc on va aller les utiliser. En plus dans le chat, ça t'a tué. Ouais, mais c'est parce que là, bon, on est un peu en fin de session. Là, j'explore. Je voulais pas spécialement commencer à faire du gros boss maintenant. Mais au moins, toute cette zone, je la connais un peu. Et ça va être ça, notre prochain objectif. Et en plus, j'ai le masque de pierre. Ça parlait du masque de pierre. Montée de niveau. Un tel. Et voilà. J'ai pas demandé. Tu traites le son du SMCC, égalisation, etc. Tu traites le son, c'est-à-dire. Est-ce que j'ai réglé sur ma Go XLR le son? Oui. C'est ça ta question. Regarde, la Go XLR te suffit? Je trouve personnellement un peu limite. Mais je me donne une petite marge, c'est-à-dire que je peux encore augmenter un petit peu sur ma Go XLR. Mais c'est vrai que c'est voilà un préampli, je comprends pourquoi. Oh, c'est beau. Je comprends pourquoi les. C'est en partie conseillé, mais j'avais regardé une vidéo qui comparait justement avec préampli et sans préampli, et ça va. Ça va. Je pense que par contre, si tu veux faire de la. Peut-être de la voix off ou de la. Ou du podcast, peut-être que là t'en auras peut-être besoin pour. Pour pouvoir garder une voix assez basse et assez assez propre, on va dire, au niveau du son, des petits bruitages parasites derrière. Mais ça va. Dans cette zone que je me suis arrêtée aussi, c'est plus loin. Ah, je l'ai vu en stream. Ah d'accord, j'ai pas été plus loin, là j'ai vu en stream. Ok, mais moi cette zone, elle, je la trouve vraiment trop belle. Donc on va l'explorer, on a déjà parcouru quand même un petit peu. Juste que je cherchais un petit peu les pierres qui me permettent de révéler la carte. Et puis bah à force je trouve plein d'autres trucs, des PNJ, des machins et tout. Mais ouais, ça va être ça notre prochain objectif. J'avais essayé un petit peu de commencer cette zone là, mais en fait elle est trop difficile. Je vois bien, donc on fera ça plus tard. Et voilà, on a fini le château. Ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est très beau quoi. Par contre, j'ai vraiment une dégaine terrible. Moi, je vais rester sur mon chevache. Bonsoir, Casey. Bon, je vais arrêter la VOD. Tiens. Il est temps. Au revoir, VOD. Des bisous.